La plupart d'entre nous ont déjà entendu parler des Néphilim, les enfants de femmes humaines et d'anges que l'on nomme les veilleurs, les observateurs ou encore les Grigori ou Égrigori. Bon, même si vous n'en avez jamais entendu parler, vous devez tous au moins connaître l'épisode du déluge dans la Bible, où Dieu a fait déchaîner les eaux pour ravager la terre car elle était corrompue à cause des hommes. Mais la Bible ne nous donne pas plus de détails. Heureusement pour nous, dans la Torah et quelques textes juifs et chrétiens non canonisés, on nous parle d'eux. C'est le cas par exemple du livre d'Enoch. Je vais à présent vous conter leur histoire. Au commencement, il n'y avait rien. Puis, Dieu créa la lumière. Ouais, non, je suis peut-être monté un peu loin. Donc Dieu créa la terre, le ciel, les étoiles, les animaux et les humains. Parmi ces humains, il y avait des femmes. Des femmes d'une beauté incommensurable, douce, merveilleuse. Des putains d'avions de chasse avec une belle paire de... Vous m'avez compris. Bref, des femmes si belles que certains anges, que l'on nomme les veilleurs, tombèrent éperdument amoureux d'elles. Ils étaient au nombre de 200, plus ou moins. Et parmi eux se trouvaient leur chef, Samyaza, et leur prince, Arakib, Aramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ézéchiel, Barakiel, Azaël, Anaros, Matariel, Ananiel, Zakilé, Samsapéel, Satariel, Touriel, Yomegiel, et enfin Azazéial. Et on retrouve aussi le démon du désert, Azazel. Ces anges décidèrent tous de prendre forme humaine, de descendre sur terre et de s'accoupler avec ces femmes. Mais ça ne s'arrête pas là, ils leur enseignèrent aussi leur savoir. Azazel enseigna la fabrication des couteaux, d'épées, de boucliers, à créer des bijoux, à utiliser des teintures colorées pour embellir les femmes, etc. Barakiel enseigna l'astrologie aux hommes, Kokabiel la science des constellations, Tamiel l'aspect des étoiles, Shamshien les signes du soleil, et Sariel le cours de la lune. Gadril les fit connaître les armes de guerre, et Penemu leur enseigna l'écriture, le goût de la mer et du doux, ainsi que les secrets de la sagesse. Ouais, les anges ont enseigné beaucoup de choses aux hommes, et ça n'a pas plu à Dieu. Pas du tout. Mais nous reviendrons là-dessus plus tard. Le temps passa, et des enfants naquirent de ces unions. Mais ce n'étaient pas des enfants normaux. Ils étaient plus intelligents, plus forts, et surtout, plus grands. Beaucoup plus grands. D'ailleurs, Néphilim est souvent traduit par « géant ». C'est la forme plurielle du mot « Néphel » ou « Naphim » en hébreu. Traduit selon les interprétations par « ceux qui font tomber ». Donc qui ont fait tomber les anges et les humains. Mais pour d'autres, ils l'interprètent comme « ceux qui sont tombés » ou « ceux qui tombent ». Donc du coup, ce seraient les veilleurs, les Néphilim. Mais revenons à ces géants, qui étaient donc très grands. Certains mesuraient 3000 coudées de haut, soit 1,4 km. Ça fait beaucoup. Bon, sans doute, à l'époque, ils en faisaient des caisses. Vous imaginez? Des hommes issus de femmes qui mesuraient 1,4 km? Ça n'a pas de sens. Donc, ils étaient grands, plus puissants que la moyenne, mais ce n'est pas pour ça qu'ils effrayaient beaucoup. C'est à cause de leur cruauté, de leur violence. Bon, en même temps, on leur a enseigné comment créer armes, armures, utiliser des armes de guerre, donc de quoi faire la guerre. Normal qu'après tout ça, et que vu qu'ils sont très grands, les mecs, ils aient envie de conquérir le monde. Bon, c'est pas non plus que pour ça qu'ils étaient vraiment craints. C'était de gros mangeurs, mais vraiment de très gros mangeurs. Et du coup, ils mangeaient beaucoup, vraiment beaucoup. Surtout de la viande, donc tout le bétail y passait, toutes les cultures. Et puis, bah, quand il n'y avait plus rien, et ben, ils se bouffèrent entre eux. Ouais, assez violent. Et là, au ciel, qu'est-ce qui se passe? On retrouve nos quatre commères, Michael, Gabriel, Raphaël et Uriel. Et qu'est-ce qu'ils font, en bons petits soldats? Eh ben, ils vont prévenir le grand patron. Mais forcément, Dieu, bah, il a tout vu. Et il n'est pas très très content. Là, l'amour et la bonté de Dieu, tu l'oublies. Terminé, bonsoir. On sort les boules de feu et on crame tout. Ouais, enfin, c'est pas du feu qu'il va utiliser, c'est de l'eau. Il envoya donc l'ange Azarialior pour prévenir Noé que le déluge allait arriver. Car les humains sont des vilains pas beaux, pas obéissants et méchants, et qu'il allait massacrer tout le monde. Il faut donc que Noé construise une arche pour que lui et sa famille soient sauvés, et il devait amener avec lui un couple de chaque animal. Malheureusement, il n'y avait plus de place pour les licornes et les dragons. Tristesse. Bon, mais avant de déchaîner les eaux, il envoya ses trois fidèles soldats pour faire un peu de ménage. Nos trois compères, Michael, Gabriel et Raphaël. Mais pas Uriel, il doit être puni de massacre. En tout cas, ces trois-là, ce ne sont pas des tendres. Raphaël fut chargé d'enchaîner Azazel, de le couvrir de ténèbres, puis d'ouvrir un abîme dans le désert de Doudael pour l'y enfermer,
puis de lui jeter des cailloux à la gueule. Il y sera enfermé jusqu'au jugement dernier, où il sera jugé pour les crimes qu'il a commis. Pour toutes les sciences qu'il a enseignées aux humains et qu'il n'aurait pas dû. Sa sentence est d'être envoyé dans le brasier et d'y brûler pour l'éternité. Puis, Raphaël est chargé de guérir les hommes. D'abord leur plaie, puis le mal qui les corrompt, la science d'Azazel. Ensuite, Gabriel est chargé d'éliminer les bâtards et les réprouver, et de murmurer à leurs oreilles pour les convaincre de s'entretuer. Et il ne doit pas écouter leurs prières. Les Néphilim, qui pensaient vivre éternellement, sont condamnés à vivre seulement 500 ans. 500 ans ? Ben ça va, nous on vit 5 fois moins. Et Michael, lui, est chargé d'enchaîner leur chef, Samyaza, et tous les autres anges rebelles. Ah ouais, quand même. Raphaël est capable d'en maîtriser seulement un, visiblement, et Michael peut se faire les 199 autres. Pas mal. Ou alors Azazel est vraiment balèze. Michael les enchaîne et les laisse regarder, impuissants, leurs femmes et leurs enfants se faire égorger, se faire massacrer. Et c'est eux les anges déchus. Bah putain. Ensuite, Michael est chargé de les enfermer sous les collines de la Terre pendant 70 générations, jusqu'à ce que soit consommé le jugement éternel. Puis ils seront emmenés dans l'abîme de feu et enfermés dans cette prison. Tous les condamnés humains qui périront seront enfermés avec eux. Et c'est ainsi que, par le déluge, toute personne sur Terre, sauf Noé et les animaux qui sont montés sur l'arche, furent anéantis pour que toute impureté soit éradiquée de la surface de la Terre, pour que les générations futures vivent dans la paix, dans la justice. La Terre sera ensuite pure, abondante, il n'y aura plus de péché, plus de douleur. Ouais, bah c'est raté. Mais cette histoire n'est pas sans nous rappeler la chute des anges de l'Apocalypse, où Michael affronte avec ses anges le grand dragon rouge, lui aussi avec ses anges, car ils ont désobéi à Dieu. Est-ce que ce ne serait finalement pas ça, la véritable raison de la chute des anges ? Être tombé amoureux des humains et leur avoir enseigné la connaissance. Je vous laisse avec cette interrogation et revenons un peu à Noé. Noé, comme tout le monde, il a un arrière-grand-père. Et cet homme, vous le connaissez, c'est celui qui a écrit ce livre, Enoch. Et Enoch, ben c'est pas n'importe qui, ce n'est pas un homme comme les autres. Lui, il n'est pas simplement allé au paradis. Dieu l'a fait chercher par des anges après sa mort pour l'amener auprès de lui. Enoch est devenu un ange, Métatron, le scribe de Dieu. Mais il y a des chances pour que c'était déjà à la base un ange. Dieu l'aurait fait s'incarner sur terre pour qu'il puisse connaître au mieux la vie des hommes, pour qu'il puisse ensuite l'aider correctement. Je ferai une vidéo sur Métatron, ne vous inquiétez pas. Mais pourquoi je vous parle de lui du coup ? Eh bien, Enoch a rencontré ses veilleurs. Azazel lui aurait demandé, après avoir fauté, au nom de tous les veilleurs, de transmettre leurs prières à Dieu pour qu'il puisse leur pardonner. Malheureusement, cette fois, Dieu n'était pas pardon et amour. Non seulement ces anges, des êtres purs, se sont souillés avec des humains en copulant avec, non seulement les êtres qu'ils ont engendrés, les Néphilim, n'étaient qu'abominations violentes et destructrices, mais en plus, ils ont transmis aux hommes des savoirs qu'ils n'étaient pas censés connaître, et qui provoquèrent de nombreux malheurs et péchés. Pour Dieu, c'était impardonnable. Il les condamne donc, après avoir massacré leurs femmes et leurs enfants, et après avoir été enchaînés sous la terre, à terminer leur existence dans un abîme de flammes. Ce lieu est le deuxième ciel. Mais il faut savoir que tous les veilleurs ne sont pas descendus avec eux, il y en a eu seulement 200. Les autres sont toujours à leur poste, au cinquième ciel. Mais ils sont perdus, silencieux, tristes. Ils ne savent que faire après la trahison de leurs frères. Mais Enoch arriva, et en voyant cela, il les encouragea à reprendre du service, à de nouveau être dignes de la grandeur de Dieu. À ces mots, les anges se relevèrent et se placèrent quatre ordres dans le ciel. Quatre trompettes se mirent à sonner, et les grégories se remirent à servir comme une seule voix. Une voix qui monta jusqu'à la face de Dieu. C'était l'histoire des veilleurs et de leurs enfants, les Néphilim. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mais ne partez pas tout de suite, j'en profite pour vous dire que j'ai ouvert un Ulule pour faire une web-série autour d'histoires de démons. Donc si vous voulez participer, vous seriez des amours, vraiment. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis...
À la prochaine.